Je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. Amen. Aujourd'hui, là, je vais vous dire des choses qui vont choquer. Hein. Amen. Comprenez ça. Si on vous recrute des mercenaires dans des pays étrangers pour venir déstabiliser une nation, on prend des pays pour venir déstabiliser une nation. Vous avez oublié. Mais le sang des gens versés, le sol crie vengeance. Et la même chose qu'ils avaient posée, la même chose se va se retourner dans votre pays. Vous comprenez? La manière dont tu viens, la manière qu'il fait pour détruire quelqu'un. C'est comme ça qu'il t'en va. Excusez-moi d'en parler. Mais en tant qu'homme de Dieu, je réveille. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la nation Congo RDC a tous les problèmes. Vous allez aller signer des contrats, des choses. Mais il y a des éléments clés au départ de l'indépendance de votre pays. Les actes que vous avez posés, vous devez les régler. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour cette grâce. Je prie d'utiliser ma personne, afin de faire du bien à ton peuple. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour tout ce que tu fais. Gloire et honneur à toi. Merci de te manifester. Merci d'agir fortement. Alors que ta puissante main m'utilise enfin des portes pour une bénédiction, une grâce particulière à ton peuple. La distance n'est pas une barrière pour toi, parce que tu es souverain, et parce que tu es tout puissant. Merci d'intervenir dans ces agis, de manière forte surtout. Éternel, dont le nom est tout puissant, ta chaîne. Le Dieu des Hébreux, qui s'est révélé à nous au travers de la personne de Jésus, bénis-nous. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes aujourd'hui à cette date, aujourd'hui du 15 novembre 2019. Voilà, vendredi 15 novembre. C'est journée de la paix. Alors, que la paix de Dieu soit dans vos vies. Amen. Et que la paix de Dieu s'attache à vous et vos familles. Amen. À l'Afrique, surtout au monde entier. Amen. Voilà, la paix du cœur et cette paix du cœur que Dieu donne. Voilà. Et que Dieu, dans tous les pays en conflit, dans la Palestine, en Syrie, on se souvient des pays en conflit dans le monde, que Dieu ait miséricorde, que Dieu fasse grâce, afin d'apporter la paix. Dans les pays où il y a la famine, où les gens n'arrivent même pas à manger, que Dieu se souvienne de ces pays et donne à manger à tous ceux qui sont affamés. Nous prions que Dieu apporte la paix dans nos différents pays et que nos différents dirigeants soient animés de la sagesse. Et ça, c'est important, afin de penser à l'avenir de nos nations. Parce que souvent, il y a la différence en ce qu'on appelle une ambition politique et puis un rêve. Voilà. Nous voyons Mandela comme un modèle. Mandela, c'est l'un des grands modèles au monde. Mandela avait un rêve, c'était de devenir président, afin d'apporter ses idées pour faire évoluer l'Afrique du Sud. Arrivé à un moment donné de sa vie, à cause de ses idées, à cause de ce rêve, il se retrouvait en prison de la même manière que, n'est-ce pas, Joseph se retrouvait en prison. Ils ont même proposé des postes ministériels à Mandela, qui était un avocat, il était un avocat de profession, un homme de droit et tout ça. Mais il a connu des tortures, il a connu toutes sortes de, vous voyez son livre, heureusement qu'aujourd'hui, la prison de ce Mandela est devenue un musée, un endroit de pèlerinage où d'autres personnes allaient s'inspirer. Il a connu la tuberculose en prison. Et à un moment donné, le monde entier s'est levé pour dire « Libérez Mandela, libérez Mandela ». Et Mandela est venu au pouvoir, il a fait un seul mandat.
il est parti. C'est sans lui quelqu'un, il a un rêve, pas des ambitions. Parce que les ambitions, n'est-ce pas, il met aussi de l'égoïsme, où on ne pense qu'à soi. Lui, il avait un rêve, il a accompli le rêve, c'est d'apporter plus à sa nation. Il a laissé le pouvoir. Voilà, le rêve accompli, il a laissé le pouvoir. Et que nos dirigeants puissent comprendre aujourd'hui, et que au-delà des ambitions politiques, voilà, il faut avoir un rêve. C'est le rêve qui crée la passion, qui nous amène à supporter les difficultés, et puis on apporte ce qu'on peut apporter, puis on s'en va. Alors il faut que nos dirigeants politiciens dans le monde, et surtout en Afrique, précisément en Afrique, comprennent qu'aujourd'hui, on peut même faire un seul mandat, on peut faire deux mandats et puis partir. Les États-Unis n'ont pas besoin de beaucoup de trucs. Moi, je ne suis pas politicien, mais comme c'est la journée internationale de quoi? De paix, non? De paix, non? Les gens disent que celui qui prépare, celui qui veut la paix prépare la guerre. Non, celui qui veut la paix prépare la paix. Moi, je n'aime pas cette expression de celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est dangereux de penser comme ça. Celui qui veut la paix prépare la paix. Parce que les actes que nous posons peuvent nous produire la paix comme peut nous produire la guerre. C'est une expression, je crois, latine. Celui qui prépare la guerre, celui qui aime la paix prépare la guerre. Maintenant, attendez, aucunement la paix. La guerre a apporté la paix quelque part dans le monde. Donc il y a des expressions que je n'ai même pas employées pour sortir de ma bouche. Et que nous puissions comprendre que les pays se sont modernisés parce qu'ils ont compris que chacun a sa partition. Chacun vient de jouer son rôle, il s'en va. Chacun vient de jouer son rôle, il s'en va. C'est la journée internationale de paix. Et quand on dit paix, celui qui prépare, qui doit préparer aussi la paix. Parce qu'il faut laisser aussi poser des actes positifs qui ne pourront pas avoir un impact négatif sur nos différentes nations dans le monde entier. Nous voyons différentes personnes en train de parler dans différents pays et on a l'impression, parce que faites aussi attention à des paroles que vous prononcez souvent, parce que pendant que vous parlez, vous pouvez blesser les gens et ça peut aussi créer beaucoup de choses. Alors que Dieu apporte la paix dans le monde entier, et surtout aussi dans les cœurs, parce que ça c'est important qu'on ait la paix dans les cœurs. Voilà, paix. Et ça, cette paix-là, il n'y a que Jésus seul qui donne ça, puisqu'il est le prince des paix. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour ça? Amen. Alors, je suis un homme d'esprit. Je suis un homme d'esprit qui me laisse conduire par le Saint-Esprit. Les programmes ne dépendent pas de moi, dépendent du Saint-Esprit. Voilà. Normalement, c'était bon, c'est samedi. Alors, je suis maintenant sur Paris. Il a beaucoup neigé chez nous cette nuit-là. C'est pour ça, hier, je devais vous prendre, mais le Saint-Esprit, je n'ai pas senti cette onction-là. Parce qu'il y a une catégorie d'onction qu'on sent, et surtout les directives du Saint-Esprit. Il y a ce qu'on veut faire. Et puis, il y a le Seigneur qui dit oui, je valide et fait. Donc, je n'ai pas senti le Saint-Esprit valide, n'est-ce pas, mes envies. Parce que l'envie de vous prendre, je voulais bien, commencez vendredi, parce que j'ai compris qu'il fallait commencer un peu plus tôt. Alors, il a beaucoup neigé cette nuit à Lyon. Il a beaucoup neigé cette nuit à Lyon. Nous venons d'arriver dans le froid. Et puis, dans le TGV, le Saint-Esprit me parlait, me dit, il faut prendre les gens. Normalement, quand je reviens comme ça de Paris, parce qu'on ne doit pas, tôt. Alors donc, le Saint-Esprit m'a donné cette force dans le TGV. Il m'a dit, prends un peu, parce que j'ai besoin de t'utiliser pour faire l'œuvre de mon œuvre. Alors donc, j'ai dit, j'étais dans le TGV quand j'appelais l'informaticien Abraham. J'ai appelé un peu tout le monde. Il m'a dit, ben, d'ici 14 heures de chez vous, nous allons commencer. Voilà, donc j'ai béni le nom du Seigneur pour ça et qu'il me donne assez de force pour pouvoir vous aider parce que c'est lui qui donne la force et ce qui aide les gens. Alors, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'onction de Dieu. Amen.
celui qui donne la force, celui qui donne, parce que je gère en même temps beaucoup de choses à la fois. Voilà, je réponds. Je viens tout à l'heure même de parler avec des Égyptiens. Je vous dis des Égyptiens. Je viens de parler avec l'Égypte, des personnes qui sont d'Égypte, des Arabes. Je viens de parler avec tout à l'heure. Vous avez que tout à l'heure pour dire le ministère il est international. On vient de parler avec des Arabes qui avaient besoin de notre aide, tout ça en vidéo. Voilà, c'est-à-dire chaque fois, je suis occupé par une action de Dieu. C'est ça le ministère. Je remercie tous les enfants de spirituels, au fait, tout le monde dans le monde entier, en Australie, dans la Nouvelle-Zélande, n'est-ce pas, au Brésil, la Nouvelle-Calédonie, voilà, en Haïti, voilà, en Haïti, dans le monde entier, ceux qui nous suivent, ceux qui suivent nos activités, en Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante, un peu, voilà, donc un peu partout nous sont suivis, même en Afrique, ils sont, comme je viens de dire tout à l'heure, en Égypte, même à Jérusalem, en Israël, suivis dans le monde entier. Dans le monde entier, suivis. Voilà, parce que les gens, ils comprennent, ils se voient un peu, et Dieu les utilise au travers des livres, au travers de nos vidéos, par la grâce de Dieu. Voilà, ici en Europe, partout, dans les différents pays européens, il y a des personnes qui ont été délivrées seulement en écoutant nos vidéos. Seulement en regardant nos vidéos, qui ont reçu un miracle. Voilà, donc attendre des gens qui disent, des Arabes comme ça, qui disent qu'ils suivent ce qu'on fait, ça leur intéresse, parce qu'ils sont convaincus que Dieu a aimé. Nous ne faisons que bénir le nom du Seigneur, vous comprenez? Voilà, donc que la gloire revienne au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Vous qui êtes déplacés, je sais d'autres pays, des personnes qui sont déplacées de d'autres pays, de la sous-région, du Burkina, qui sont là, d'autres personnes qui sont venues un peu du partout de la Côte d'Ivoire. Alors, soyez bénis, vous êtes dans le sang de prière, appelé prière, qui veut dire la présence de Dieu, et que cette présence de Dieu vous visite, et que Dieu vous apporte gain de cause durant vos séjours à Divo. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis un être humain, comme chacun d'entre vous, j'ai mes limites, mais Dieu n'a pas de limites, et l'espace, la barrière, le temps, n'est-ce pas, ne peut pas être une barrière pour Dieu. La distance surtout ne peut pas être une barrière pour Dieu. C'est pour ça que je crois qu'avec les moyens, au travers via Internet, Dieu peut guérir quelqu'un, Dieu peut délivrer quelqu'un. Nous l'avons déjà expérimenté. Ou Dieu même au téléphone qui guérit les malades. Je me souviens que plusieurs fois, j'avais commencé dans 2013-14, sur les Skype déjà, quand j'ai commencé à faire des livrances sur Skype, je voyais des gens qui cassaient leur ordinateur, cassaient leur délivrance dans les salons. Et moi, donc, j'ai dû arrêter. Et les gens venaient de partout à Divo pour expérimenter la puissance de Dieu. Dieu, la distance n'est pas une barrière pour Dieu. C'est pour ça que je crois que Dieu m'utilisait encore pour t'aider, n'est-ce pas, afin de pouvoir te toucher et te faire du bien. Mais je suis un homme comme vous. Je suis un être comme vous. Voilà, j'ai des limites, mais Dieu n'a pas des limites. Ayez foi en Dieu et laissez Dieu vous toucher et laissez Dieu agir dans votre vie. Voilà, ayez foi en Dieu. Si vous avez foi en Dieu, vous verrez Dieu vous agir pleinement dans votre vie. Je suis un homme, voilà, qui est aussi converti, qui a connu Christ comme vous, qui est devenu chrétien comme vous, et qui a été choisi par grâce de la part d'Hachem, le Dieu des Hébreux, afin d'être à son service. Voilà, donc, c'est lui qui m'utilise, qui fait ce qu'il peut. Amen. Amen. Alors, je me soumets à lui sa volonté. Je peux être fatigué, je peux vous donner un rendez-vous, je peux être fatigué. Comme le programme de dimanche, je suis tellement pris sur Paris et tout ça. Comme je disais, en dehors de tout ça, je suis aussi occupé et tout ça, par rapport à d'autres choses. Alors, je bénis le nom du Seigneur, de me donner cette onction ce matin, cette force, afin de pouvoir parler avec vous. Que son nom soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il continue de vous fortifier. Et je prie qu'il vous assiste et je prie qu'il vous aide. Amen. Alors, j'espère que tout va bien là-bas. Ici, il fait froid. Ici, il fait terriblement froid. Il a commencé, nous sommes en hiver, il a commencé à terriblement neiger toute la nuit à Lyon.
Il a neigé terriblement même. Voilà, mais c'est bon. Si tout va bien là-bas, c'est bon. Est-ce que les platanis sont là, les doublés, les tuyaux, les tiquetis, les sauces plats là, les Africains mangent, on met un photo, un peu de riz, chez nous les bêtés là, j'ai invité un bêté, tu as fait un photo pour mettre le riz, c'est de son dessert, sinon il ne mange pas, hein. Il ne va pas être rassasié. C'est comme tu as invité un cap, un agni ou un baoulé. Tu n'as pas fait foutu. Ah! Il voit le riz là comme gnini gnini. Hein. Il voit ça comme quelque chose que les choux. Si tu as fait riz, il faut faire foutu. Ah, là, il est content. Voilà, donc que Dieu bénisse. Amen. Amen. Voilà, au-delà de ça, on a des problèmes spirituels. Il faut comprendre que l'être humain est composé de l'esprit, l'âme et le corps. On a plus besoin de Dieu dans notre quotidien parce qu'il y a souvent des choses qui nous arrivent, nous nous posons beaucoup de questions. On essaye avec notre intelligence de pouvoir apporter des lits, de pouvoir résoudre le problème. Et on n'arrive pas à le résoudre. C'est sorti par des échecs. On se dit, ben, il faut qu'on fasse recours à un être suprême. Et nous savons que l'être suprême sur lequel nous pouvons compter aujourd'hui, c'est la puissance de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Lui seul qui pourra nous aider et nous défendre dans nos difficultés. Amen. Amen. Alors, c'est un centre évangélique. Un centre évangélique, un centre de délivrance et de restauration. Alors, nous allons parler de Dieu. On ne peut pas commencer sans méditer la parole de Dieu. Quels sont ceux qui ont l'habitude de lire la Bible? Ah, il n'y a pas beaucoup qui lisent la Bible. Vous ne savez pas lire. D'autres ne sont pas encore devenus, qui ne sont pas encore chrétiens. Devenez chrétiens parce que c'est important. L'objectif, c'est de permettre pour que vous deveniez croyants, que vous donnez à Dieu. Ça, c'est important. Il faut faire ce que Dieu veut. C'est ça qui est le plus important. Amen. Voilà, je viens de parler avec des gens arabes. Voilà, des arabes. Voilà, je suis suivi dans la Palestine. Je suis suivi à Jérusalem. Je suis suivi un peu partout dans le monde entier. Alors moi, un arabe, je parle avec lui, c'est pas un problème pour moi. Normalement, la religion ne doit pas créer des problèmes. Voilà, les gens qui prennent la religion pour faire des guerres, ils ont un souci. Voilà, ils ont vraiment un souci. Alors que Dieu bénisse. Je vais parler de la persécution. Persécution. Amen. Amen. Est-ce que on m'entend bien? Amen. Vous êtes sûr que vous m'entendez bien là-bas? Amen. Alléluia. Amen. Alors, la persécution. La persécution veut dire quoi? Persécution veut dire quoi? La définition. Selon les dictionnaires, la persécution, c'est vraiment des traitements injustes, cruels, infligés avec harcèlement. Harcèlement. Vous comprenez déjà? Persécution veut dire traitement injuste, cruel, infligé avec acharnement. Acharnement plutôt. Avec acharnement. C'est-à-dire qu'un traitement qui est injuste, la persécution, c'est quelque chose qui est très injuste. C'est-à-dire, on te traite injustement. Et on est cruel, c'est-à-dire inhumain. Avec acharnement, c'est-à-dire que la personne, elle sait que c'est inhumain ce qu'elle fait. Elle est convaincue qu'elle est en train de détruire une personne. Mais elle continue de le faire. Continue, traitement juste, cruel, infligé avec acharnement. Et la personne continue de le faire. Donc la persécution en tant que telle n'est pas positive. Elle est négative. Il peut y avoir une persécution spirituelle. On pourrait persécuter spirituellement.
spirituellement parlant. Il y a des gens qui sont percutés. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un traitement, on les examine, ils ne peuvent pas dormir. Pendant qu'ils dorment, ils veulent ronfler, voici, un chat qui veut l'embrasser, Mia, et puis, de son rêve. Il ne peut pas dormir. Il y a des gens qui veulent dormir, ils veulent dormir, ils voient un chien, qui veut le mordre, il ne peut plus dormir. Il y a des gens qui veulent dormir, ils voient qu'on veut le mettre dans un puits, ils crient, ah! Ils se réveillent. Traitement injuste. Au moment où les gens, et souvent là, souvent tu es là, tu vois des choses que les gens ne voient pas. Et d'autres personnes donnent, n'est-ce pas, un nom ascendé, ils dépriment, ils font une dépression. Mais c'est plus spirituel que physique. C'est pour ça que la plupart, je ne suis pas contre le traitement que les gens donnent aux gens, désolé, je ne suis pas contre ça, parce que pour moi, le spirituel et même la médecine, c'est Dieu qui nous donne cette capacité de pouvoir créer. Même la plupart du temps, ce sont des tranquillisants. On te donne pour te tranquilliser. Mais le problème réel est là. Pour vous dire un mot, que la persécution, vous comprenez déjà que c'est un traitement injuste. C'est-à-dire que c'est tellement injuste. La plupart du temps, on est tout persécuté. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on gagne beaucoup d'argent. Mais dans le spirituel, on vient de toutes les finances. Les gens disent, ah, il gagne l'argent, je ne vois pas. Mon frère, ce n'est pas parce que tu ne vois pas, mais parce que tu n'arrives pas à investir là où il faut investir. Au lieu d'investir, tu vois boire bien au banquier. Tout est derrière la petite fille qui prend beaucoup d'argent. La vieille, elle mange piment ou bien mange jacobra, mange truc. Mais la fille qui est dehors, elle va manger poulet braisé. C'est pas petit argent. Amen. C'est pas petit argent. Si je vois plus mon argent, mon frère, c'est qui allait manger? La petite allait dans l'hôtel, tout ça, c'est l'argent. Bon, après, tu réfléchis, je fais quoi ça? Mais ça veut dire que ton argent est orienté quelque part d'autre. Vous comprenez? On dit traitement injuste. Donc, spirituellement parlant, on peut même détruire tes finances. Tu peux avoir une persécution spirituelle. Les gens sont persécutés. On dit un traitement injuste est cruel, infligé. C'est-à-dire qu'on t'impose ça. Après que tu es une femme, un certain âge de ta vie, tu veux te marier, tu ne peux pas. Ou bien, on détruit ton mariage. Les gens ne veulent pas que tu te maries. Ta vie devient bizarre. Les choses que tu fais deviennent, c'est bizarre. On ne comprend pas. Les gens qui sont autour de toi se posent des questions. Qu'est-ce qui arrive à ce monsieur? Qu'est-ce qui arrive à cette femme? Et on a l'impression que ceux qui sont autour de toi ne comprennent pas ta vie. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas. Ils se posent la question. Ah, non, mais qu'est-ce qui arrive? Ils ne sont pas d'accord, du moins, de la situation dans laquelle tu te trouves. Amen. Quand quelqu'un est persécuté, mais c'est terrible. Souvent, vous voyez les gens, ils parlent seuls dans la rue. Mon frère, oui, il pleure seul. Tu vois, il est persécuté. Il ne sait plus mettre la tête. Amen. Amen. Un traitement injuste. C'est pour ça que Dieu, il est contre tout ça. Il est contre tout ça. Parce que les gens te traitent mal spirituellement. Malheureusement, toi, tu leur fais du bien, mais en retour, ces personnes te persécutent. Cherche à détruire. Cherche à déstabiliser ta vie. Cherche à détruire ta vie. Et tu ne comprends pas. Tu ne sais plus mettre la tête. Et encore, c'est ceux à qui même tu as fait du bien. Là. C'est ce qui fait plus mal. C'est eux-mêmes qui viennent te persécuter. Même dans le spirituel, ils sont à la base de ta persécution. Ça, c'est la persécution spirituelle. C'est des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. On sent qu'on est torturé. On peut mettre un posé, on dit traitement injuste et cruel, infligé avec acharnement. On peut mettre un posé, une maladie. Pendant que tu es en train de traiter une maladie, il y a une autre maladie qui est là. Et toi, tu ne comprends pas. Mais
tu es persécuté. Tes enfants sont malades. Toi-même, tu n'arrives pas. Et c'est cette période-là, même, on travaille ces cas. Les choses commencent à ne plus aller. Toi et ta femme, vous n'arrivez plus à vous entendre. La persécution. Tu sais bien tourner avec la tête. D'autres personnes qui sont faibles d'esprit, ils dépriment. Ça veut dire, ils perdent de raison. Tu les vois, ils parlent seuls. C'est fini. Il a perdu le boulot. D'autres même, c'est fini, mes pères. La persécution. Amen. Amen. La persécution spirituelle. Au-delà de cette persécution spirituelle, que je viens d'énumérer parce qu'on ne voit pas, mais qu'il y a une part sur nous. Et sur le quotidien, parce que quand tu es agressé spirituellement par eux, tu es persécuté. On t'en impose des choses. Avec la chair, on t'impose des choses. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle aussi une persécution physique. Est-ce que nous voyons? C'est que nous voyons physiquement où des personnes viennent se liguer contre toi. Tu peux ne pas être d'accord avec les idées d'une personne. Mais généralement, les gens, ils te traitent avec. Ils ne te traitent pas bien. Ils traitent moins injuste. Et malheureusement, c'est ceux à qui tu as fait du bien. Ceux même que tu aides, c'est eux qui ont retour, qui cherchent à te déstabiliser. Et ça, c'est le propre de l'Africain. L'Afrique en retard à cause de sa méchanceté. L'Afrique espère en persécution. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'Évangile dit? D'abord, pour dire, j'ai dit à un jour, quelqu'un qui dit, « Oh, homme de Dieu, papa, je vais servir Dieu. » J'ai dit, « Tu veux servir Dieu. » Quoi nous avons ta tête? Il me dit, ah, non, j'ai dit, faut enlever dans ta tête servir Dieu. Laisse Dieu t'appeler. Vous savez, vous comprenez, il y a avoir l'envie de servir Dieu. Et puis Dieu t'a appelé. C'est tout différent. Est-ce qu'on a bien saisi? J'ai dit, laisse Dieu t'appeler. Parce que le travail de Dieu, c'est le travail le plus ingrat. Vous êtes là, on prie pour vous, hein? Il y a des gens pour lesquels j'ai prié qui ne pouvaient pas construire leur maison, ils sont allés construire une maison au village. Mais ils m'ont récompensé avec la méchanceté. Il y a des gens qui avaient l'insuffisance rénale. Je vous parle aujourd'hui, même à Abidjan. Il y a des personnes qui avaient l'insuffisance. Ils ont déclaré insuffisant de rénale. Vous comprenez, ça veut dire que le rein ne peut plus fonctionner. L'hôpital, la sorcellerie s'est liguée contre ces personnes. Quand ces personnes m'ont rencontré, le Seigneur m'a utilisé à détruire le mal qui était là. Mais le jour où ils sont, c'est pas parce qu'on a forcément besoin de merci. Le ministère, c'est la chose la plus ingrate. J'ai dit à mon fils, le plus là, faut enlever dans ta tête l'envie de servir Dieu. Tu seras déçu des hommes. Parce que les mêmes vont te persécuter. Parce que l'homme vient pour un intérêt. Il vient pour quelque chose. Il y a des gens que j'ai aidés. Généralement, ce n'est pas moi qui va vers les gens. Ce n'est pas moi qui parle vers les gens. Généralement, c'est vous qui venez vers moi. Et quand les gens viennent vers toi, c'est pourquoi en réalité? Oui, on veut que tu nous aides. Et toi, dans ce que tu fais, tu as beaucoup amour, tu ouvres ton cœur. C'est là que tu vois maintenant qui a mis sur ton berger et qui poignarde. C'est-à-dire qu'il te traite avec. C'est-à-dire un traitement injuste à ton égard. Et tu as dit le présent, tu dis, les gens même cherchent même à rentrer dans ton quotidien. Cherchent même à être avec toi. Parce qu'ils savent que tu as une autorité, tu as des connaissances. Et les gens profitent des connaissances que tu as, des gens que tu as aidés. Dans le ministère, j'ai aidé. Beaucoup de gens. Dieu, j'ai remercié toujours Dieu pour ça. Je peux donner 200 000 à quelqu'un. Moi, l'argent, ce n'est pas un problème parce que je ne veux pas m'attacher à l'argent.
des personnes, je l'ai dit, il y a des personnes pour lesquelles j'organisais des mariages. Organiser des mariages. Mais après, ce qu'ils m'ont montré, je te pose la question pour dire, mais ils n'ont pas même de mémoire, même de remords. Un traitement injuste, c'est-à-dire que les gens te traitent mal. Au départ, ils viennent, tu leur apportes ton assistance, tu les aides. J'ai dit, le ministère, c'est un endroit, c'est un faut même pas laisse Dieu t'appeler. Parce que si Dieu t'appelait, il va te donner le cœur de supporter la persécution. Parce que servir Jésus, ça veut dire que tu seras persécuté. Vous savez ça au moins? Ah, vous dites amen, vous ne savez même pas, vous ne connaissez pas le verset. Donne-moi le verset. Vous dites amen. Donne-moi le verset. Vous dites amen, non? Qui a dit amen? J'ai dit, servir Dieu, bénir les persécutés. Il dit amen. Ça dit, je t'appelle. Donne-moi le verset. Vous connaissez le verset? Vous connaissez le verset? Ah. Mais vous êtes d'accord que servir Dieu, ça veut dire, on va te persécuter, n'est-ce pas? Hein? Ah. Ça veut dire qu'on te traite avec ton justice injustement. Ne pensez pas que quand vous servez Dieu, vous serez acclamé des gens. Non, 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 non. Enlevez ça de vos têtes. Ouh, enlevez ça de vos têtes. Non, non, non. Celui qui dit qu'il va servir Dieu, et puis les gens vont l'acclamer, il n'a qu'à laisser avec Dieu. Amen. Amen. Non. L'évangile de Jean, le chapitre 20, le chapitre 15, le verset 20. L'évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 20. La lecture. L'évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 20. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nous sommes serviteurs. Et le maître, c'est Jésus. S'ils m'ont persécuté. Jésus dit, si nous, on l'a persécuté, ça veut dire quoi? Je vous ai dit, la définition de la persécution veut déjà dire, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? On dit traitement injuste et cruel, infligé avec acharnement. C'est ce qu'il en fait à Jésus. Traitement injuste. Injuste. Souvent, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Souvent, tu te demandes, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est lui-même qui parle de toi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Est-ce qu'il peut lui-même dire ce que tu lui as fait? Non. Or, lui-même, il est conscient que dans un moment donné de sa vie, tu l'as même aidé. C'est comme Jésus. Un moment donné, Jésus a aidé les gens. Mais il a été traité injustement. Donc, la pauvre Pilate même va dire, mais attends, moi je suis Romain, c'est vrai que vous êtes juif. Mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il vous a fait? On dit, non, 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 tuez-le. Donc, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Jésus dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Oui, allons-y. S'ils m'ont persécuté, Jésus dit, si on l'a traité injustement, ils vous persécuteront aussi. Très bien. Jésus dit, si lui, on l'a persécuté, ça veut dire que nous, on nous persécutera aussi. Vous comprenez? Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Amen. Ils ont persécuté Jésus. On l'a persécuté. Traitement injuste. Tu prêches l'évangile, tu aides les gens, et on te traite injustement. Avec acharnement, c'est-à-dire, la personne elle-même sait que ce qu'elle dit contre toi, c'est des mensonges. Elle est convaincue qu'elle est en train de mentir. Mais mensonge dans le but de te détruire. C'est ce qu'on appelle la persécution. En retour, toi, c'est-à-dire, la personne même, là, quand tu t'assois, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas te demander, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle ne pourra même pas te dire, en réalité, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, une personne, tu ne rushes pas. Comment vous êtes rencontrés?
Point d'interrogation. C'est la personne qui a cherché à te voir. Pourquoi aujourd'hui elle te persécute? Parce qu'elle est un élément du diable dans le but de s'approcher de toi pour atteindre un objectif de lui. Jésus dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais, ah, vous parlez plus. Comment vous persécutez les gens? Ah, vous êtes des persécuteurs. Ah, mais je suis en train de parler. Votre ami est devenu foin. Ah, mais avant de parler, maintenant votre ami là, c'est foin. Pourquoi? Jésus dit, s'il vous persécute, il vous persécute. C'est-à-dire, Jésus même dit, le serviteur que nous sommes, toi, la servante que tu es, toi, le serviteur, tu n'es pas plus grand que Jésus. C'est ce qu'il a dit. Reprends le verset. Jean, le chapitre 15, le verset 8, et 20. Jean, le chapitre 15, le verset 20. Oui, Jean, chapitre 8, 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils vous persécuteront aussi. Amen. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Je préfère la persécution parce que c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Voilà. S'ils m'ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. Allons-y, poursuivre. Ça veut dire qu'ils ne garderont pas. Ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Donc, les gens ne se souviendront jamais des actes que vous avez posés dans leur vie. Au contraire, ils chercheront toujours à vous nuire. Et vous allez poser la question, qu'est-ce que j'ai dû faire? Mais rien, il n'y a pas de raison. Ils viennent là, toi-même tu te poses la question, je l'ai fait quoi? Celui qui a été m'insulter même, je l'ai une fois, je l'ai fait quoi? Il ne peut pas te parler, il ne peut pas te dire. Mais comme Jésus dit, n'est-ce pas? Ah, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. C'est ça que vous comprenez aujourd'hui. Pour ceux qui veulent servir Dieu, ou bien vous êtes chrétien, ils vont vous persécuter à cause de l'évangile. Amen. Amen. Ils vont te persécuter. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. À un moment donné, les gens vont vouloir se liguer contre toi. Ils vont même pas répondre. C'est pour ça que je me dis là. Je ne crois même pas à l'homme à son temps. Oh là là là. Ne croyez même pas aux gens qui vous appellent à 100%. Parce que la plupart du temps, ils viennent pour quoi? Moi, je te regarde ce que je peux apporter à ta vie. J'apporte à ta vie. Et puis, avant, j'ouvrais mon cœur. Ce n'est pas parce que mon cœur est fermé. Non. Mais d'abord, dans un premier temps, tu m'approches là. C'est pourquoi? C'est vrai, je suis serviteur de Dieu. Ce que je peux apporter à ta vie, j'apporte à ta vie. Mais je ne crois plus en toi à 100%. Donc, je m'attends à tout. Ah, avant, je ne pense pas que. Parce que les gens sont hypocrites. Je vous dis aujourd'hui, l'homme ne voit que ses intérêts. Et surtout le noir. C'est parce que c'est notre peau là qui fait que notre cœur fait comme ça. Un Africain, il aime détruire. Tu le vois? Il fait pitié. Ah! Aider un peu. Il va te manger un sauce plat là, la qualité. Il va te manger un sauce plat. Oh, lui, quand il était dans les difficultés, tu l'as aidé. L'hypocrisie des gens, les gens sont méchants, ils sont hypocrites. Et la plupart du temps, ce qui fait mal, c'est que c'est les gens que vous avez aidés, malheureusement, c'est eux qui vous persécutent. Il n'avait pas de maison, tu lui as donné maison. Il a bien dormi, c'est lavé à ton eau, il a mangé ta nourriture. Un homme comme ça, là, il va pas te persécuter, mais il va le payer. Amen. Amen. Ah, vous parlez plus? Amen. Hypocrisie, c'est la plus grande sorcellerie. Comment est-ce que c'est Kwame Kobila qui sort de son corps pour aller manger? C'est lui-même qui fait qu'il est fait semblant d'être avec toi. Or, dans son cœur, il n'est pas avec toi. C'est le vrai sorcier, tu vois là. C'est Baye, Gounion, Gounion. By fouet. Les Chinois disent on chante. Les Chinois appellent ça on chante. Moi, il y a trouvé le nom chinois.
Onchon. Les Chinois appellent ça onchon. Sorcellerie, va aller Google. C'est onchon. Un sorcier, c'est onchon. La sorcière, c'est onchon. 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 C'est sorcellerie en chinois. Chinois, mais il y a un nom de sorcellerie dans le chinois. Il y a ce nom, sorcellerie. Donc, il est là et fait semblant d'être avec toi. Toi, tu as ton cœur, tu l'aides. Tu lui apportes tout ce qu'il veut. Or, lui, construit des choses contre toi. Jésus a vécu ça. Jésus dit, si mon père s'inculte, il vous persécute. Amen. Amen. Donc, ne pensez pas que ceux qui sont avec vous, ils ne vont pas vous trahir de demain. Hein? La persécution même des rôles de qui n'est pas dit ne pas aider les gens, mais faites des choses sans arrière-pensée. Ne cherchez même pas que les gens vous disent merci. Tant que vous pouvez aider les gens, aidez-les. Mais si vous voulez compter sur les gens j'ai aidé moi grâce. Les gens j'ai aidé aujourd'hui. Mais ça fait beaucoup de fierté, je suis content. Jusqu'à ce que je suis allé même mettre au final sur place, les gens sont venus attaquer l'orphelin. Il y a des gens que j'ai aidés aujourd'hui. Il y a des enfants là-bas, là. Moi, j'ai demandé aux gens, vous l'argent que j'ai. Tous mes fonds, tout l'argent, tous mes soucis. Demandez à ma femme, tout mon souci, tout ce qu'on gagne, on ne pense qu'aider les gens. On aide plus les gens que nous-mêmes, on ne pense même pas à nous. Mais c'est ça, la vie, c'est ça. Il faut investir, il faut aider les gens. C'est comme ça, sans arrêt penser. Mais pour vous dire aujourd'hui, ceux qui vont vous persécuter, ce sont ceux que vous allez aider, vous avez aidé. L'homme, il est hypocrite et méchant. Amen. Amen. Jésus dit, malgré ce qu'il a fait, il l'a persécuté. Jésus allait de lieu en lieu. Il aidait les gens, il soutenait les gens, il leur apportait une assistance, il les aidait. Mais c'est le même là. Ils se sont levés contre Jésus. Il vous dit, crucifiez-le, crucifiez-le. Avec acharnement, ils ont dit, crucifiez-le. Ils ont voulu détruire Jésus. Et regardez le visage aujourd'hui des gens. Encore ce qu'il fait, c'est qui encore? Les gens qui peuvent se dévoiler. Mais ce qui fait mal, c'est que dans votre quotidien même, il y a des gens qui ne sont pas pour déclarer ennemis. Hein, mais dans le cœur, ils sont contre vous. Vous ne le savez pas. C'est ça même que le grave reste de ce délire. Pour ça, faites attention à ceux qui sont autour de vous. Amen. Parce que la Bible dit, vous aurez pour ennemis mais les gens de votre maison. On m'a bien écouté? Amen. Ton frère veut construire une maison, ça t'énerve, tu détruis ça en sorcellerie. Les gens, le monsieur, il ne sait pas pour jouer une tête debout, toi tu gâtes. Tu as besoin d'argent, il porte l'argent. Mais pour lui, là, toi tu viens, tu gâtes ça. Tu penses que Dieu va te pardonner? Tu traites les gens injustement. Tu traites les gens mal. Pourtant, les gens, ils t'apportent de l'aide, ils t'assistent, ils t'aident et tout ça. Et puis, tout en retour, tu cherches à nuire à la vie de ces personnes. Combien de fois qui sont persécutés dans le monde, maltraités, la maltraitance partout. Tu trouves un enfant dans un foyer et toi tu cherches à maltraiter parce que je prétexte que, ah non, c'est l'enfant de ma rivale. C'est rivale. Moi, je n'aime pas trop l'épouse, l'ex-épouse, l'ex de mon mari, rivale, quelle rivalité. Je n'aime pas trop rivale là, ce n'est pas une expression qu'on doit même donner. Tu traites un enfant. Et pourtant, tu veux que tes enfants soient bénis. Tu vois un enfant, tu le traites mal. Et toi, tu veux que ton enfant soit béni. Toi, tu persécutes les gens. Toi, tu viens insulter les gens. Toi, tu traites les gens. Or, toi, tu veux que ton chemin soit propre. Eh, hey, mon frère, amen. Tu es maudit. Amen. Tu es maudit. Tu traites mal les enfants des gens. Dans un foyer, demain tes enfants ne réussissent pas, tu vois les sorciers. Non, c'est-à-dire, c'est ta mère, c'est ta beau-père, des noms bizarres, Robert,
c'est ton cœur qui attaque toi-même, là. Ce que tu faisais aux enfants des autres, là. C'est la malédiction qui visite tes enfants. Les gens t'ont fait du bien à un moment donné de leur vie. Si tu n'es pas d'accord, c'est pour pas déposer dans la page de la destruction d'une vie. Et encore, sur la base du mensonge, si ce que les gens disaient était vrai, mais ils vont vouloir te serrer, mentir, conspirer les choses. Est-ce qu'on parle Jésus? C'est pas nouveau. Vous savez, Jésus dit, s'ils m'ont persécuté, ils te persécuteront. Je vous ai dit que c'est un traitement injuste. Qu'on t'impose un traitement injuste. C'est cela que frère, pour ne pas demain avoir une malédiction, que ce soit une malédiction générationnelle, il faut éviter de rentrer dans une persécution. Pourquoi aujourd'hui, les gens de Jérusalem disent que son sang tombe sur nous et nos enfants. C'est ce qu'on cherchait. Quand Jésus est mort, et tu es Jésus, dit que le sang, oh le sang, c'est la vie et l'âme. C'est pour ça que tout, il n'y a pas de paix, il y a trop de problèmes. Parce qu'à un moment donné, ils ont brûlé. Quand vous persécutez quelqu'un, son sang crie vengeance à Dieu. La persécution, c'est un traitement injuste. Tout le monde, je te pose la question. Lui, là-même, je l'ai fait quoi? Il m'insulte, là, je l'ai fait quoi? Lui-même, là, quand tu lui demandes, là, il sera pas. Il va dire autre chose. Mais t'es obligé de l'insulter. T'es obligé de l'attaquer. Bon, toi-même, dans ta vie, là, le monsieur t'a pas aidé, lui. Bon, il t'a une fois aidé. Ou bien la femme t'a une fois aidé. L'enfant t'a une fois aidé. Mais pourquoi tu ne retiens pas le côté positif et sur le côté négatif? Oui, on comprend parce que toi-même, tu es du diable. Et toi, tu veux te passer comme injuste. Justement, ceux qui vous persécutent, ils pensent qu'ils ont plus de raison. Et dans leur raison, c'est-à-dire, ils pensent que, mais quand tu as raison, tu ne traites pas quelqu'un mal. Parce que c'est un traitement injuste. Ce que tu es en train de faire à autrui, si toi, on te faisait ça, mais malheureusement, tout ce qu'on fait, on le paye. Amen. Amen. Mais regardez Jésus. Regardez ce que la Bible nous dit. On va plus loin dans la persécution. Est-ce qu'on comprend bien mon message? Amen. Allez-y dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 12. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 12. On écoute un peu? Amen. Mais malheureusement, on se confie aux gens qu'il ne fallait pas. Voilà. Donc, il faut te dire comment t'es persécuté, quelle que soit ta gentillesse. Allons-y. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Mm-hmm. Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. On dit même que tu veux être pieux. C'est-à-dire que tu veux l'homme le pieux. Tu veux ceux qui veulent hors, ceux qui veulent même vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Le problème, ce n'est pas parce que ta vie fait. Le problème, c'est le traitement qu'ils ont décidé de te faire. Il dit hors. 2 Timothée, c'est ça? 2 Timothée, chapitre 3, le verset 2. Hors. Ceux qui voulant même vivre pieusement en Jésus seront injustement traités. On m'a bien saisi? Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'à un moment donné, la vie des apôtres n'a pas été facile. Frère, être, servir Dieu, c'est la chose la plus difficile. Encore, faire volonté de Dieu, c'est encore la chose la plus pénible. Parce que les gens, le monde n'aime pas les choses qui sont justes. Le monde est caractérisé par l'injustice. Et souvent, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que je puisse subir tout ça? Ce n'est pas une question de malédiction. Tu as l'impression que c'est une malédiction ou un mauvais sort. Non, la Bible dit, Jésus dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'il me persécutait, il était persécuteur. Encore, tu te dis, mais est-ce que parce que j'ai fait de mauvaises choses? C'est ça qui retombe sur moi? Non, la Bible dit dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 12, dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus seront persécutés. C'est comme ça la vie. Amen. C'est comme ça la vie. Mais la vie d'un persécuteur, celui qui persécute les gens, qui savait persécuter, c'est le traitement qu'on t'inflige. Un persécuteur, c'est celui qui te traite injustement. Un persécuteur ne s'en rend pas compte de ce que l'enfant le fait.
Pour lui, il pense que c'est juste. Or, c'est un traitement injuste parce que lui-même, ce qu'il est en train de faire, là, si on lui fait ça demain, il ne sera pas contre. Amen. 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 Ce que tu ne fais pas contre Christ de faire, tu ne fais pas ça aux autres. Parce que si tu le fais, tu le payes. Amen. Amen. C'est la loi de la nature. C'est la loi divine. Amen. Amen. Pourquoi aujourd'hui on est en retard? Pourquoi il y a un retard en Afrique? Parce que l'Africain, quand tu commences à émerger, j'écoutais le conseil, attentivement le conseil d'un homme de Dieu, et ça m'a fait du bien. Il dit, mon problème vient de l'Afrique, c'est un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu africain qui est fréquenté par Dieu, un grand ministère. J'écoutais ses conseils. Il dit, mon problème, c'est l'Afrique et l'Africain. Je suis africain, mon problème, c'est les Africains. C'est les Africains qui me traitent mal. Et qui voient tout. Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Ils me traitent mal. Les Africains, ils ont un esprit. Ils n'aiment pas voir les gens évoluer. Quand ils voient quelqu'un évoluer, ils vont commencer à détruire ta vie. Tu es malade, hein? Ça ne va rien lui dire. Yako. Yako, hein? Yako. Tu n'as pas l'argent. Pour mourir, il va payer billet d'avion Paris, une geste pour venir te soigner. Il va mener à l'enterrement. N'est-ce pas? Amen. C'est pas sorcellerie. C'est pas sorcellerie. Billet d'avion, tu as payé là. C'est des millions de francs. Tu ne pouvais pas prendre ça pour soigner le monsieur. Mon frère. Sorcier. Tu ne mets pas le feu sur ta bouche. Quel sorcier. Quel sorcier. Amen. C'est là où on va faire les réunions où mes parents sont morts. Oh, le monsieur ou la femme avait besoin simplement de 20 000 francs. 20 000. Non, pas donné. Mais pour payer avion, c'est-à-dire billet d'avion pour venir, ça tu peux faire. Tu n'as pas l'argent, mais tu as l'argent pour payer l'avion pour venir regarder les narines d'un cadavre. Ça dit qu'en réalité, la personne, elle ne souhaitait même pas que tu sois en bonne santé. C'est ce que ça veut dire. Et regardez un peu nos manières de voir la vie, nous les Noirs. Est-ce que vous m'écoutez? On peut même quitter Abidjan, son parrain est malade, Aziko Lillier. Non, il n'y a pas l'argent. Moi-même. Mais quand il va mourir, cercueil qui va sortir là. Funérailles de 2 millions, tombe de trucs. Je l'aime, mon frère, tu es un sorcier. Amen. Tu ne l'aimes pas. Tu as participé à sa mort. Tu as contribué à sa mort. Regardez nos comportements. Quand quelqu'un est reçu, on cherche à le déstabiliser. On le persécute, on le traite très mal. Tous ceux qui vous ont persécuté, qui étaient à la base de votre malheur, un jour, ils le payeront. Vous savez, le persécuteur, lui, il a l'aise. Hein? Dans un premier temps, il ne s'en rend pas compte. Il pense que tout le sourit. Je vais prendre un exemple, vous allez comprendre. Vous savez que je parlais aussi aux Congolais de la RDC. Vous devez beaucoup prier, mais en même temps, demander. C'est vrai que j'ai vu qu'ils ont demandé pardon au le président Merci. Le président, en fait, il vient de poser, Félix Tshisekedi, vient de poser un acte bien. Mais je pense que vous devez, la famille de Lumumba, Patrice Lumumba, il a été. C'est-à-dire qu'il a été dépecé. Ils l'ont découpé et puis ils ont mis tout son corps. C'est-à-dire tous les morceaux là, de son corps, ils ont mis ça dans l'acide. Ils l'ont détruit.
Ah oui, ça n'est pas ça? Ah, peut-être d'autres savent. Quand vous voulez demander pardon, vous devez inviter la famille de Lumumba. Ses enfants sont là, je crois que... Je ne sais pas si sa femme est morte ou elle est vivante. Bon, si elle est là, vous devez l'inviter, ses enfants l'inviter, demander publiquement pardon. Parce que ce monsieur tue. Et vous savez un peu, excusez-moi d'en parler, je suis loin de la politique. Celui à qui ça fait mal, je ne peux pas m'excuser parce que je dis la vérité. C'est pas, je suis désolé si ça te fait mal, mais c'est la vérité. Vous savez très bien que Mobutu Sesoko, on savait que c'était l'un des présidents les plus riches de l'Afrique. N'est-ce pas? En Zaïre, vous savez plutôt. N'est-ce pas? Il a fini comment? Ah, vous n'êtes pas là, vous me lisez, vous ne connaissez rien, vous êtes là, marché comme ça. Où bien? Hein? Il est mort à l'étranger. Dans quel pays? Au Maroc. Merci. Qui a dit Maroc? Je ne vois pas. Oui, merci. Comment moi, tu es cultivé. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. Il a saigné dans son cœur. Jusqu'à aujourd'hui, on ne veut même pas rapatrier. Ça dépouille. Et les gens se posent la question, comment faire? Mais ça dépend de ce qu'ils ont posé comme acte. Donc les enfants de ce monsieur doivent venir publiquement. Excusez-moi d'en parler. Mais en tant qu'homme de Dieu, je réveille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la nation Congo RDC a tous les problèmes. Vous allez aller signer des contrats, des choses. Mais il y a des éléments clés au départ de la... Au fait, l'indépendance de votre pays, les actes que vous avez posés, vous devez les régler. C'est-à-dire, les familles doivent être au stade, quand vous organisez ça, demandez pardon publiquement. C'est-à-dire, la famille est là, et la famille de Lumumba vous dit, on vous pardonne. Ce qu'on fait, je pense qu'ils ont pardonné. Je ne suis pas en train de mettre le couteau dans la plaie, mais il y a des actes. Le monsieur, il est parti. Il est mort à l'étranger. Il avait l'argent, hein. Il a posé là qu'il avait l'argent. Mais c'est le dernier jour, la Bible, que la fin d'une chose vomit que son commencement. Quand vous regardez aujourd'hui hein, au Congo, vous regardez son palais. Mais son palais, je ne sais pas si ses richesses sont mises à main. C'est-à-dire, c'est la misère qui a commencé à sonner dans leur camp. Mais là qu'il a posé, a commencé. Excusez-moi, pour ceux qui vont peut-être la famille, les petits-enfants qui vont suivre cette vidéo, de ses familles proches, excusez-moi si vous êtes choqués par rapport à ce que je suis en train de dire, mais je vous révèle des choses dans le message. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. Amen. Aujourd'hui, là, je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. Hein. Amen. Je vais vous choquer. Hein. Amen. Très bien. On a aujourd'hui, au Burkina, il y a la guerre. Pas. Moi, j'ai pitié de ce qui se passe au Burkina. Qui a pitié comme moi? Hein? Vous connaissez Touris? Thierry, vous connaissez ce qu'on appelle les Touris? Vous connaissez ce qu'on appelle les djihadistes. Ils n'ont pas peur de la mort. Ce n'est pas les gens qui ont un pistolet pour se cacher. Non. Eux-mêmes viennent pour se kamikazes. Vous savez ça? Amen. Eux-mêmes, ils viennent dans l'esprit de mourir. Ce n'est pas dans l'esprit de prendre. Tu connais ce qu'on appelle les djihadistes. Ton fétiche, ça n'avait pas un djihadiste. C'est vrai, c'est la patriotie. Il faut aider le pays, c'est vrai. Je remercie le président Kabore de prendre l'initiative d'aider les gens. Mais Dozou va venir tuer Diadis. Militaire n'a qu'on a pied. Vos chars, vos avions, les premiers, c'est Dozou qui a venu tuer Diadis. Ah, les gars, bon, on va regarder. Maintenant, pour nous, il faut que les chrétiens où les croyants du Burkina se lèvent dans la prière.
Vous savez, le Burkina est allé de coup d'État en coup d'État. Burkina, ils sont allés de coup d'État en coup d'État. On a dit Thomas Sankara, c'est un président que j'aimais beaucoup quand j'ai connu son histoire. Mais c'est pas coup d'État, il est venu au pouvoir, n'est-ce pas? Hein? Mais répondez, mon message a plus chaud que je dis. Mais c'est bon comme ça. C'est pas coup d'État, il est venu au pouvoir. Il est parti comment? Il a tué des coups d'État. Mon frère, peu importe la manière, c'est-à-dire lui, il dit non, celui qui est au pouvoir n'est pas bon. Et puis lui, lequel est venu à donner des idées, c'était bien, mais la manière. Vous comprenez? La manière dont tu viens, la manière qu'il fait pour détruire quelqu'un. C'est comme ça qu'il t'en va. Peu importe tes idées, peu importe ce que tu as comme idée. Il est mal mort sauvagement. Sa mort fait du mal. Paix à son âme. Bon courage à la famille de Thomas Sankara. Je suis de tout cœur avec vous parce que ce n'est pas bon de tuer une personne. Mais dans l'histoire, il y a eu un acte qui a été posé. Celui qui règne par l'épée, il payera par l'épée. C'est ce que je vais faire ressortir pour amener nos dirigeants africains à ne pas prendre des armes, quelles que soient vos idées, à aller chasser quelqu'un. Elle m'a bien compris? Non, lui qui était là, le balayeur, balayé, n'est-ce pas? C'est comme ça. Mais en même temps, le Burkina était la base arrière de la rébellion qui a attaqué la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Il ne faut pas se blaguer. Je ne suis pas en train d'amener les Ivoiriens contre les Burkinabés. C'est ce que vous allez faire. C'est pour ça qu'il y a malédiction sur vous là. Amen. Le Mali, c'est quand ça s'est passé au Mali aujourd'hui là. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils retournent contre aujourd'hui. Comprenez ça. Comprenez ça. Si on vous recrute des mercenaires dans des pays étrangers pour venir déstabiliser une nation, on prend des pays pour venir déstabiliser une nation. Vous avez oublié. Mais le sang des gens versés, le sol crie vengeance. Et la même chose qu'ils avaient posée, la même chose va se retourner dans vos pays. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est que le prophète Christophe dit, vous vous dites attention. Il y a des actes pour ne pas poser. Ne versez pas le sang des gens. Ce qui va se passer en Guinée, c'est pareil. Tous ceux qui participent dans l'esprit de déstabiliser une nation, Kadhafi est mort. Hein? Amen. Excusez-moi, père à son âme. Oh là là, je suis en train de vous choquer encore. Mais il a investi dans la rébellion, il a participé là. Vous savez que ça va, il y a des rébellions dans lesquelles Kadhafi a financé. Et il est venu par un coup d'État. En 1969, le roi Idriss allait se soigner en Tunisie, il a chassé par un coup d'État. Mais lui, il est mort comment? Il est parti comment? J'ai pleuré quand j'ai vu la mort de Kadhafi, j'ai pleuré simple, j'ai pleuré. Pleuré. Mais après, j'ai compris que les actes qu'il a posés là, c'est ce qu'il a payé. Paix à son âme. Que Dieu aide sa famille, que Dieu fortifie chacun. Pour vous donner des exemples, vous dites, faites attention aux actes que vous posez. À chaque président ou celui qui a des ambitions politiques, qui entend, qui veut poser un acte et qui sait déjà que ça va plus faire du bien au pays et éviter de prendre des armes pour aller déstabiliser une nation. Peu importe tes idées, tu vas venir au pouvoir, mais de la manière dont tu es venu, c'est comme ça que tu vas partir. Amen. C'est comme ça. Dis à quelqu'un, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, mon frère. Même, dis à quelqu'un, même si tu as dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous
pensez que le sang humain, là, c'est camarade de quelqu'un? Le sang. Dieu a dit à l'autre, il dit, le sang, crie vengeance, vengeance. Le sang de ton frère avait crié vengeance, vengeance. Le vie à Caïn. Amen. Amen. Ah, il y a des choses que j'ai envie de dire. J'ai dit ça un peu. Comme ça, vous allez comprendre dans le fond. Amen. Amen. Le président Gbagbo, quand il venait au pouvoir, c'était avec qui? Hein? Vous parlez pas fort. Vous êtes gay. Vous êtes gay. On dit gay. Pourquoi vous avez fait des gays? C'est pas gay. Hein? Gay. Gay le père. Ah, qui a dit gay? Merci. Le courage de gay le père. Donc, gay ton père. Gay le père. Gay le père. Vous avez fait le père? C'est gay, Robert. Amen. Amen. Je suis en train de dire ça, papa. Et la mort des gens, je respecte l'âme des gens, je respecte leur mémoire. Mais pour vous dire, je vous interpelle. Si beaucoup, j'interpelle le monde entier. Si beaucoup d'exemples, nous avons vu des choses qui nous sont arrivées. On n'est plus que ça arrive, on s'inspire des exemples. Comment on va voir ces deux pouvoirs? Il l'a gagné. Ouais. N'est-ce pas? Amen. Répondez-moi et moi je ne suis pas politicien. Les gens ne sont pas morts. Si, il y a eu combien? Il y a eu assez de morts, n'est-ce pas? Amen. Il a pris le pouvoir. Normalement, la constitution. On dit c'est lui qui a gagné. Mais il y a des choses qu'il devait éviter. Il n'est pas dû aller dans la rue. Vous allez me dire, prophète Crasson, là maintenant tu exagères. Là où j'ai arrivé là, c'est un côté sensible. Il a conçu un monument aux morts. C'est vrai, rendre hommage aux morts. Mais est-ce qu'on a pris le temps? Je ne sais pas s'ils ont organisé, toute la Côte d'Ivoire organisé un pardon pour le plein des sangs. Sont versés. Est-ce qu'ils ont fait ça? Non. Hein? Non. Parce qu'en faisant monument aux morts, c'est pour se souvenir. Mais le monde, tous les religieux devaient se mettre au star. Ils ont organisé un forum de réconciliation. Je crois que c'est un truc comme ça, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est pas suffisant. Il fallait organiser une prière. Et pour demander pardon pour les âmes qui sont tombées. Et pour le sang versé, que ce soit des deux parties. Ça, c'est un acte très fort pour prendre le pouvoir. Il n'est pas dit comment? Pareil. De la même manière. Il n'a pas dit qu'il a gagné, il n'a pas gagné. C'est pas la même chose qu'il avait dit. C'est non, non, mais attends. Et je ne suis pas fait des parties de Bagbo. Moi, je ne suis pas Ouattaraïs, je ne suis pas Bagboïs, pas Soroïs. Les mêmes choses qui se sont passées en vent. Les mêmes choses sont revenues encore sur son pouvoir. On dit non, il a gagné. On dit non, tu n'as pas gagné. C'est pas ça? Amen. Non, ils sont en train de réveiller votre esprit pour comprendre les choses spirituelles. Amen, amen. Et il est parti. C'est ça qu'il a dit, attention à ceux qui sont au pouvoir encore du roi. La manière dont vous êtes venus là, vous êtes venus d'en faire des sangs. Ceux qui ont des oreilles pour attendre, attendent ce que le prophète dit. Amen. Amen. Ah, vous ne dites pas Amen, quoi, quoi. Amen. Il paraît quand on donne conseil aux gens, les gens mettent les gens en prison. Ah, j'ai parlé. Amen. Amen. Quand vous venez d'un problème de paix et sang, emmenez tout. Poser un acte, demander pardon pour le sang, amener tous les chefs des cantons, tous les chefs de ville, parce qu'aujourd'hui, chaque chef du village
à un décret. Heureusement que ce côté-là est beaucoup réclamé Côte d'Ivoire. Dans les chefs du village, pour papier ministériel, le ministère de l'Intérieur décrète un papier qui fait que quand tu es chef du village de la Côte d'Ivoire, tu as un papier qui prouve que tu es chef du village. Et ça, Dieu merci. Donc, on doit organiser ça dans des stades, dans des régions, dans des stades, pour demander pardon à Dieu pour le sang qui est versé. Au moins, on respecte la mémoire des gens. Vous pensez que les têtes sont faciles? Vous comprenez? On vous dit, en un mot, les actes que nous posons dans la vie de l'être humain, créé à l'image de Dieu, nous les payons. Même si ce n'est pas nous, nos enfants vont payer ça. Amen. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous, on était les premiers à dire, attention, n'allez pas à la guerre. Les mêmes choses qui sont passées sur Guéli, les mêmes choses sont revenues. Donc, en principe, ça doit ouvrir l'esprit des gens pour dire, non, non, bon, si c'est ça, on va faire la guerre. C'est bon. Il y a des choses, franchement, je pense qu'il faut comprendre. Il faut savoir lire dans le temps et dans l'espace. Il faut savoir lire des choses. Il faut devenir spirituel pour comprendre des choses. Le sang même de quelqu'un, une seule personne, verse un seul, c'est déjà dangereux. Quand vous persécutez quelqu'un, c'est un crime de sang. Vous le torturez. Nos pays africains doivent comprendre aujourd'hui que ce n'est pas une question de blanc. Ce n'est pas des blancs. C'est nous-mêmes qui sommes nos propres problèmes. Nos problèmes d'égoïsme, méchanceté, vouloir nuire à la vie des autres qui sont en train de détruire ce beau continent-là. Peu importe ta manière, mais vouloir nuire à la vie de quelqu'un, tu payeras ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. On m'a bien saisi? Amen. Vous dites d'abord, la persécution, c'est un traitement injuste. Qu'on inflige à une personne. Pas parce que forcément il a fait des milliers de choses. Comme 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, dit, même celui qui voulait dire pieusement Jésus-Christ sera persécuté. Sinon, tu te poses la question, qu'est-ce qui est fait sur ta... C'est des questions que tu te poses. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette vie? J'ai fait quoi? La question, tu te poses ça aujourd'hui. Pourquoi j'ai fait quoi, Jean? Qu'est-ce que j'ai dû faire? Mais c'est ça la persécution. Sur le plan spirituel, tu te persécutes. Tu as dit des gens, tu as porté de l'aide aux gens. Mais aujourd'hui, c'est ce même Jean qui se ligue contre toi. Et il n'est pas un persécuteur. Celui qui persécute, qui traite les gens, non, mal, c'est la base du mensonge. Que construit chose contre les gens. Vous allez payer non seulement ça vous, mais vos descendants payeront. Amen. Amen. Encore ce qui est choquant, c'est que les gens, ils viennent dans votre vie. Et c'est eux qui cherchent à vous voir, c'est eux qui rentrent dans votre vie. Vous leur ouvrez le cœur. Eux, ils veulent maintenant profiter pour nuire à leur objectif. Moi, je n'ai pas fait de semblant, heureusement. Je n'aime pas, ce n'est pas parce qu'ils ont dit non, aimer tout le monde. Moi, je n'aime pas ta manière de faire. Je t'ai dit ça directement. Mais nous, on aime beaucoup faire semblant. On sourit là. On est dans les problèmes. C'est pour ça que Dieu ne joue pas avec l'esprit. Là, le grand esprit de sorcellerie qui est dangereux, c'est l'hypocrisie. Le sorcier, il est soumis. Tu le vois, il se soumet comme chien. Mais c'est qui va te montrer. Et il est content, il est heureux. Il y a des gens, ils sont heureux, ils sont contents quand ils font du mal aux gens. Il sourit, il est content. Frère, ce que tu entends de faire à l'autre, si toi tu faisais ça, est-ce que tu seras heureux? C'est que tu ne devais pas, la Bible dit, c'est que tu ne devais pas qu'on te passe, ne fais pas ça pour le prochain. Parce que la Bible dit. Amen. Alors, si tu es content
de traiter quelqu'un injustement, tu le persécutes. N'oublie pas qu'il y a une loi qui dit celui qui règne par l'épée, périra par l'épée. Donc souvent, notre problème vient de là. Ce que nos parents peut-être ont fait aux gens avant, ou même ce que nous avons dû faire aux gens, nous payons ça. Amen. Amen. Ces choses sont bloquées. Parce que, à un moment donné de ma vie, tu t'as mal comporté les gens. Toi-même, tu as mal fait, t'as mal que Dieu nous aide. Amen. Mais toujours quand quelqu'un cherche à la base, on dit, ouais, on dit la persécution, c'est quelqu'un, ouais, c'est qui la persécution, le dictionnaire dit, c'est vraiment très intéressant. On dit traitement injuste et cruel infligé avec acharnement. Acharnement, ça veut dire qu'il a acharné sur toi, jusqu'à ce qu'il te détruit. C'est ça la persécution. Tu vois que les gens sont acharnés sur lui. C'est ce qu'on appelle quelqu'un en train d'être persécuté. Et c'est lui-même qui fait ça, tu lui demandes, il ne sait même pas. Que Dieu nous aide, amen. Amen. C'est sûr que ça a choqué parce que j'ai dit des noms politiques, j'ai essayé d'expliquer certaines choses. Si ça vous a choqué, je m'en excuse. Mais je dis ça dans le but d'attirer votre attention parce qu'on attend beaucoup de choses aujourd'hui. Bientôt la Côte d'Ivoire va connaître des élections. Faites très attention, on ne veut pas que la Côte d'Ivoire brûle. Amen. Amen. Vos histoires de guerre, on ne veut plus en Côte d'Ivoire. Viens, on ne veut plus la guerre en Côte d'Ivoire. On ne veut plus de guerre en Côte d'Ivoire, dis à quelqu'un. On ne veut plus de guerre en Côte d'Ivoire. Ah! Regardez le discours. C'est la religion sociale. C'est quoi? Côte d'Ivoire, allez-vous, toi? Que Dieu nous aide. Amen. Allez, prends arme, allez tuer quelqu'un. Que Dieu protège l'Afrique. Amen. Que Dieu accorde la paix à chaque pays africain. Amen. N'oubliez pas que si on utilise nos pays pour aller attaquer notre pays, mon frère, c'est lui qui a fait là. C'est qu'un homme sert et le. Là, le côté. Quel pays? Donc, je vous ai donné ces exemples-là pour dire. À un moment donné dans notre vie, si on ne peut pas aider quelqu'un, ne soyez pas à la base de sa destruction, le persécuter, le traiter là, le détruire. Amen. Tu viens dans un foyer, dans un foyer, un couple, tu trouves un enfant dedans et tu le maltraites. Que Dieu vous aide, amen. Amen. Mon message, que vous devez partager à tout le monde, à votre entourage, dites aux gens, ne sois jamais à la base de la destruction d'une personne. Dis à quelqu'un, ne sois jamais à la base de la destruction d'une personne. On a bien compris? Amen. Ne sois jamais à la base de la destruction de quelqu'un. Ne sois jamais. Dis à quelqu'un, ne sois jamais à la base de la destruction de quelqu'un. Ne sois jamais à la base de la destruction de quelqu'un. Vous m'avez bien saisi? Amen. Amen. Ce qu'un homme sait, il le moissonne. Ce qu'un homme sait, il le moissonne. C'est comme ça, c'est quoi? Que Dieu nous fortifie. Amen. Les gens, leur cœur nous dessus parce qu'ils sont enfants du diable. Ce message-là, c'est pas pour eux. Parce qu'ils sont appelés sous le jugement. Vous posez un âge. C'est ça que je peux plus. Moi, je ne vais jamais être là-bas. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je ne suis pas obligé de te détruire. Tu vas payer ça. Tu vas payer. Parce que c'est comme ça. Que Dieu nous fortifie. Amen. Comment vouloir forcément pouvoir nuire à la vie de quelqu'un? Comment toi, tu penses et veux être heureux? Tu ne veux pas que d'autres personnes soient heureux. Tu veux les nuire. Tu veux être là. Tu es dans le coin, c'est toi qui pousses. Un jour, tu payeras ça. Amen.
c'est rien qui lui, je ne sais pas ce qu'il a fait. Hein? Heureusement, Dieu a fermé ton esprit pour ne pas comprendre. Parce que tu comprends, Dieu va avoir pitié de toi. Souvent, même Dieu même te fait oublier ça. Et puis, tu sais qu'il a fait ce genre de vie, et puis tu meurs dedans. Et puis, tu meurs dans le feu où on brûle. Parce que dans le feu, il y a des coins, des petits coins où on brûle petit, petit. Où on brûle beaucoup, là. C'est vraiment te mettre. Ah, tu dis pas amen. Amen. Ça va, on brûle beaucoup, l'ami. C'est là-bas que tu vas brûler. Amen. Quelqu'un qui est là, il veut se marier, tu gâches son mariage. Gourmet de ça, tu connais, mariage. Gourmet de ça. Sorcier. C'est ça que Dieu ne joue pas avec la sorcellerie. Non, non, c'est même ça. Il y en a qui disent non, c'est parce que ce sont mes enfants que je les ai gâtés. Ah. Non, avant d'être tes enfants, j'ai parti, les gens sont passés. Mais Dieu, il est le propriétaire de toutes ces personnes. C'est lui. Amen. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on assiste à une Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique entre. C'est vrai qu'on a des valeurs, on a des familles. Les Africains aiment bien parler, ils aiment bien se confier. Malheureusement, on se confie, on parle aux gens. Mais ces personnes-là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, heureusement qu'il y a des expériences qui nous servent de leçon. Aujourd'hui, je suis quelqu'un, mon frère, quand quelqu'un vient, quand il lui dit bonjour, mon bonjour, je ne te croyais pas en toi. Je te dis bonjour, puis ce que je peux t'apporter comme aide, je t'aide. Mais tu peux un jour me nuire. Ça, il met ça dans ma tête. Voilà. Donc, je t'apporte. Je crois, l'homme de Dieu, ses conseils m'ont fait vraiment du bien. Il a un grand ministère et son peuple s'est ligué contre lui. Il traversait les moments difficiles de sa vie. Et son peuple s'est ligué contre lui. Son peuple. Amen. Amen. Et ses conseils m'ont fait du bien. Je dis merci Seigneur. Frère, faites attention à votre entourage. Faites attention à ceux qui mangent avec vous. Et Jésus dit, celui qui mettra sa main après moi, c'est celui-là qui va me trahir. C'est celui qui mange avec toi. Celui qui cherche et t'approche pourquoi? Faites attention à ceux qui veulent rentrer dans votre intimité, ceux qui veulent rentrer dans votre vie, ceux à qui vous souriez. Pense que vous êtes au même niveau. Non, vous n'êtes pas au même niveau. Mais il y a d'autres qui sont en mission. Il y a d'autres qui sont en mission. Il n'y a pas plus traître qu'Africain. Que Dieu nous aide. Amen. On veut tout savoir comme RFI. On veut tout savoir qu'on pense les cas, on est dans tous les fonds. On veut tout ça. Et malheureusement, nos villages là, fait que Diakouaï, sa case ici, voici la famille de l'autre. Quand il parle, ça rentre dans l'oreille de l'autre. Un Africain, quand il dort, son oreille est dehors. Mon frère, tu dors pas ou bien? On ouvre la source de l'église, attends, qu'est-ce que c'est pas dire? Mais dors, mon frère, à quoi? Amen. Amen. Je vais tout entendre. Pour gâter. Pour gâter. On est gâté. Sur ça, regarde bien. Regardez bien. Excusez-moi de revenir encore sur son histoire. Le truc. Didier Arafat, regardez un peu son histoire. Il a été persécuté. Vous n'avez pas vu qu'on l'ait persécuté. Et il en parlait bien. Mais il en parlait. On les traitait avec injustement. On bloque quelqu'un qui paye ses panneaux publicitaires. Vous comprenez? Et quand les gens disent non, on les n'aime pas. Pourquoi? Parce que on le jalouse. Avec acharné. Ils l'ont pas tué. Regardez. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Regardez tous ceux qui ont cherché à être à la base de sa mort et de combattre. Ils ont commencé à le regretter. Bon, on n'est pas en train de couper, décaler, hein, mais je suis en train de vous dire une histoire
que tout le monde a vécu. On voit ça sur les réseaux. Amen. On voit ça sur les réseaux. Même si tu n'es pas dans le fait des choses, tu vois. Mais en même temps, ils vont payer. Amen. Amen. Ils payeront. Hein? Parce que ils ont bien que ce jeune homme qui est mort, il a laissé ses enfants. Les enfants sont restés. Tous ceux qui ont fait du mal, ils payeront. Regardez l'histoire sur ce coup. Tous ceux qui ont fait du mal, ce Baptiste-là, ils payeront ça. Après, les gens commençaient à regretter de voir que ce jeune homme est mort et les gens sont. C'est son talent. Ce n'est pas une question de franc-maçonnerie. Son talent, c'est son talent développé. Son talent qui a attiré tous les artistes. Sinon, franc-maçon, il n'y a pas maçon ici encore en Afrique, elle est ici. Mais son talent, ce qu'il fait, qui a fait qu'il a eu des honneurs. Et les gens ont compris qu'ils ont perdu quelqu'un, ils ont combattu quelqu'un qu'il ne fallait pas. N'est-ce pas? Oui. Nous répondons, on est toujours les vieux. Oui. David, je peux comprendre les vieux là. Je peux comprendre les vieux là, je ne peux pas s'y faire. Je peux comprendre. Sinon, il y a beaucoup de jeunes là-bas, vous ne répondez pas. D'autres me disent, non, il n'y a pas de Facebook, vous avez raison. N'aimez pas Facebook. N'aimez pas ça, parce que Facebook, là, il y a trop de colorés là-bas. Nous, on va faire ministère, mais il y a trop de palabres. Les Africains, regardez, ceux qui insultent beaucoup, là, sont les ouvriers. Allez sur Facebook. Ceux qui insultent beaucoup, là, c'est les ouvriers. Si comme Facebook, là, on a créé ça pour eux. C'est qu'ils suivent beaucoup sur Facebook. C'est ça les Ivoiriens. Si on parlait mal, là, c'est encore du monde créé. Si on parlait mal le savon, là, ça encore du monde fabrique. Parler mal la pâte de pipi, là, c'est encore du monde fabrique ça. Les mêmes qui ont cité le petit jusqu'en. Les mêmes ont dit, ah, on a perdu quelqu'un. Et les mêmes payent ça. Pour vous dire tout ce que les gens sont en train de faire, tout compte fait, l'histoire sur son coup, les gens payeront. On a un nom comme Mobutu, un nom comme plutôt, comme Patrick Lumumba, un leader. Regardez ce monsieur, humeur de mort cruelle. Et vous pensez que vous, le pays, un pays géologique, c'est un scandale géologique. Il n'y a pas un pays en matière de richesse minière qui vaut la Congo RDC. Il n'y a pas. Pour ceux qui ne savent pas aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, il y a une matière, et qu'on prend même dans les bus, dans les téléphones, cette matière-là existe uniquement qu'au Congo RDC. Ils ont toutes sortes de pierres précieuses. Mais regardez le pays. Amen. Amen. Regardez le pays. Que Dieu nous aide. Amen. Voilà, pour pas que nous puissions entrer sous la malédiction. Ce sera que quand tu vois l'enfant de quelqu'un, traite-le bien. J'aime les enfants. C'est pour ça que je traite bien les enfants. En fonction de mes moyens, j'aime. Les enfants comme François, les enfants qui sont à la fondation, je ne connais pas leur papa. Des pères, je ne les ai jamais vus. Un enfant qui a fait des distances, qui était malheureux. Aujourd'hui, il en sixième. Je suis heureux de le voir en train d'évoluer. Il avait de la haine. Son beau-père, la maman de son. Le mari de sa maman, a choisi ses plaies, il a mis couteau dedans. Parce qu'il ne voulait pas le voir, l'a chassé. Il a perdu l'orphelin de père. Un enfant comme ça, comment on a récupéré qui est dans mon centre ici. Je lui ai dit, je construis l'orphelinat, tu vas dormir à l'orphelinat. Il est là-bas. Il avait de la haine dans le cœur contre ses parents. Je lui ai dit, non, il ne faut pas grandir avec la haine. Je l'ai sensibilisé, il ne grandit pas avec la haine. Je l'ai aidé, enlevé ça dans la tête. Aujourd'hui, il mange. Il peut aujourd'hui manger matin, midi et soir. Je suis heureux de voir un enfant que j'arrive aujourd'hui par la grâce de Dieu à scolariser. C'est ça qu'il faut aider les gens. Que de les maîtriser. Que Dieu nous aide. Amen. C'est parce qu'on a des millions. C'est parce que moi, il y a des millions qui sont en train de m'occuper des enfants. Non, non. Pas parce que je vais me faire voir. Non. Il y a des gens qui gênent.
Abidjan. Les enfants de la rue. Je prends ma voiture, puis je vais à Abidjan. Je m'en vais aux deux plateaux. Pour ceux qui suivent, me connaissent un peu deux plateaux, la rue de Jardin. Quand j'arrive là, mon corps arrière est rempli de nourriture, de sucre. Je suis sûr que je parle avec eux parce que je me fais voir. Mais je me dis, les enfants se sont retrouvés dans cette rue-là. Pas parce qu'ils voulaient dans la rue, mais il y a une difficulté qu'ils envoient dans la rue. Et je prends le temps de parler avec eux. Je leur donne l'argent. Pas parce qu'il y a des millions, parce qu'on a des millions qu'on veut aider les gens. Mais on a pitié. On s'est dit non, il faut aider les gens que de les insulter. Au plateau, j'ai parlé des gens qui ont quitté la rue. J'ai aidé les gens à quitter la rue. Les gens ont trop de problèmes. Vaut mieux aider des gens que de les détruire. C'est pour cela que quand tu es la base de la destruction d'une vie, tu es le vrai sorcier. Tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas le détruire. Amen. Parce que tu vas payer ça. J'ai pris que tous ceux qui vous persécutent, tous ceux qui ne veulent pas vous voir évoluer, que le châtiment de Dieu s'abat sur eux. Vous ne dites pas même que le châtiment de Dieu que la main puissante de Dieu vous délivre. Que vos familles soient libérées. Amen. Libérées. Amen. Que tes enfants soient libérés. Amen. Que ton argent soit libéré. Amen. Que ton mariage soit libéré. Amen. Que ta fécondité soit libérée. Amen. Au nom de Dieu. Amen. Vous libère au nom de Jésus. Amen. Amen. Les gens n'évoluent pas parce qu'ils ne sont pas amoureux. Ils n'arrivent pas à partager. C'est pour ça que la loi de Dieu est basée sur ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras l'Éternel, d'abord ton Dieu. Dieu dit, Jésus dit, la Bible dit, celui qui prétend aimer Dieu, qui ne voit pas, et qui aime son prochain, c'est un menteur, c'est un meurtrier. Quand il dit, Dieu, tu vas à l'église, fous-la la même, pas ici. Chip la même. André pour ceux qui créent les trucs en canne à sucre des Brésiliens, elle est longue, elle, tu ne portes pas bout d'oreille, mais tu aimes ton prochain. C'est pas aussi bien. Tu as l'église qui prie. Oh, tu ne peux pas donner à manger à quelqu'un, tu ne peux pas partager, tu es sorcier. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont le sens du partage. Amen. C'est ça la vraie vie. Amen. Ce côté-là, les musulmans, là, même si on pense qu'ils sont une ligne, non, hein, les musulmans, ils aiment bien partager, on leur a pris ça. Le milieu qui est plus dangereux, c'est le milieu chrétien. C'est un milieu où on aime détruire les autres. Surtout le milieu évangélique. Les musulmans, au moins, ils pensent qu'il faut donner à manger aux gens. Nous, les chrétiens, c'est nous, on aime toujours juger. C'est nous, on juge toujours. C'est nous, on est à la place de Dieu, on juge toujours les gens. On est saints. L'autre, il est pécheur. Nous, on est saints. Les musulmans, ce côté-là, je leur tue le chapeau. Et les catholiques aussi, je leur tue le chapeau. Amen. Mais nous, les évangéliques, c'est nous, on a la place de Dieu, on juge. On juge. C'est très dangereux. Donner à manger à celui qui n'a pas mangé. Il m'est arrivé à Abidjan. Oui, pendant que je suis en train d'aller à Abidjan, je vois sur la route, je sais que le monsieur a faim. Je descends de ma voiture, je donne l'argent. C'est un peu mon fou. C'est un peu moi ma vie ça. C'est-à-dire je me dis que je me mets, je vois la personne, personne entend les manger galette. Un vieillard comme ça, il manque au flotteau dans la rue. Ça veut dire que c'est tout sur lui. Et mon cœur sait que je descends de ma voiture, je lui donne. Il y a quelqu'un même là. J'étais en train d'aller à Pujan, fait à salé. T'as fait qu'il a porté là. Avec une chemise, j'ai vu.
Il m'a dit, maïs. J'ai dit, tu l'es lâché. J'ai dit, je vais libérer. J'avais l'argent dans ma poche. J'avais, je crois, 50 000 francs. J'en ai eu la moitié, on ne sait jamais, parce que on ne sait jamais, pas garder un peu de l'argent sur toi. J'en ai eu 25 000 francs. J'ai donné au vieux. Il est tombé six mois, il a commencé à pleurer. Il pleure. J'ai dit, mais il y a quoi? Il dit, non. Ça fait une semaine, il n'a pas mangé. Il a pleuré jusqu'à moi-même, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit, au moins, j'ai sauvé une vie. Amen. Amen. Par moment, soyez des bons samaritains autour de vous. Amen. Amen. Voyez la, vivez la souffrance des gens. Ne soyez pas la base de leur destruction. Ressentez la. Ce que vous servez le bien, c'est des bonnes choses qui viendront vers vous. Mais si vous cherchez à détruire, Dieu aussi va vous détruire. Amen. Parce que vous ne savez pas que celui-même qui est dans la rue, ça peut être un ange. Aidez les gens. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. On se tient debout, on va prier, on se tient debout. On se lève pour prier, on se tient debout. Amen. On lève les mains et on demande à Dieu de nous bénir. Lève tes mains et dis au Seigneur, bénis-moi, visite-moi. Lèvons les mains et commençons à prier. Commençons à prier, lèvons les mains. Demandons au Seigneur de vous bénir. Demandez au Seigneur de vous bénir et de vous visiter. Que sa puissance merci, que sa main vous fasse du bien. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Nous te prions de transformer notre cœur. Nous te prions de nous aider à être des bons samaritains. Nous te prions de nous aider à aider nos prochains. Nous te demandons de nous aider à vivre selon ta volonté. Nous te demandons de nous aider dans ta souveraineté à faire du bien autour de nous. Merci de te manifester et merci de nous aider selon ta grâce. Et merci de te manifester au nom de Jésus. On dit Amen. Amen.